Formés en 1991 en Angleterre et séparés en 2009 en France, ils ont vendu 75 millions de disques, sorti 7 albums studio, remporté 45 prix dont 6 Brit Awards et rempli des stades à travers le monde. Appartenant à un mouvement éphémère et surtout médiatique appelé la Britpop, ils sont l'un des rares groupes anglais à avoir cartonné aux États-Unis. Portés par deux frères, deux grandes gueules charismatiques, irrévérencieuses et évidemment talentueuses, retour sur le parcours des plus célèbres working class héros du rock'n'roll, retour sur la genèse d'Oasis. Qui est Premier ministre du Royaume-Uni, mène une politique ultra-libérale, favorisant la dérégulation du marché financier, réduisant les dépenses publiques, renforçant ainsi les inégalités et créant de nouvelles fractures sociales dans le pays. C'est dans ce contexte social et économique, à Manchester, ville sur le déclin et fortement touchée par le chômage, que la famille Gallagher, installée dans le quartier populaire de Burnage, comme beaucoup de familles de la classe ouvrière, essaye de s'en sortir comme elle peut, de joindre les deux bouts. When you meet people from outside Manchester who come here for the weekend or come here for the week, they go, oh, it's alright up in Manchester, it's like, but once, if like you lived there for 25 years of your life, well, it's quite boring, there's not much happening. I miss not being near my mum, that's what I miss. Straight up here, on the right up here, is McVitie's where my mum used to work. The big biscuit factory. We used to knock about in the park, she'd work here, we'd meet from the park, say about 11 at night. Walk her home. And walk her home with a load of biscuits. Big boxes of Jaffa cakes, you can shot penguins. 5, 4, 3, 2, 1. Durant leur jeunesse, Noël et son jeune frère Liam ne partagent pas grand-chose en commun, si ce n'est leur passion pour le football, notamment le club de Manchester City. Le manque d'intérêt commun s'explique en partie par leurs 5 ans d'écart. Alors que Liam est encore à l'école, Noël lui enchaîne déjà les petits boulots, notamment comme employé pour la British Gas. Suite à un accident de travail, il est muté dans un entrepôt le temps de sa convalescence, mais l'ennui règne car l'activité y est quasi inexistante. Pour tuer le temps, il décide d'amener sa guitare, instrument qu'il pratique depuis qu'il a 13 ans, afin de pouvoir travailler sur ses premières compositions. Contrairement à Liam, Noël est un passionné de musique. Il aime les Beatles, David Bowie, T-Rex, les Rolling Stones ou encore les Smiths, et plus particulièrement le guitariste Johnny Marr, pour lequel il voue une véritable admiration. Liam, lui, ne va pas rester longtemps insensible à la musique. Le 30 mai 1988, il accepte d'accompagner son frère pour son anniversaire à l'International 2, où se produit le groupe mancunien The Stone Roses. Complètement subjugué par le charisme, l'attitude, le look du chanteur Ian Brown, Liam se prend ce soir-là une énorme claque et voit en ce chanteur un modèle à suivre. Il déclarera plus tard. C'était mon concert préféré de tous les temps. Il m'a tué. Il a changé ma putain de vie. Si je n'y étais pas allé ce soir-là, je serais probablement assis dans un pub de Levensholm. De son côté, Noël, lui, en plus d'apprécier le spectacle, n'est pas venu pour rien non plus. Lors de ce concert, il sympathise avec un certain Graham Lambert, qui est membre du groupe The Spiral Carpets.
les deux mélomanes ne se quitteront plus. Suite à cette rencontre, il ratera une audition pour intégrer le groupe comme chanteur, mais Graham et ses potes lui proposeront de rejoindre l'équipe comme roadie afin de s'occuper des guitares lors de leur tournée mondiale. Évidemment, cette opportunité, le jeune Gallagher l'accepte sur le champ. We took him on board as a roadie in general, cosmic advisor. I mean, we'd take him in business meetings, we'd take him, you know, we'd be negotiating a publishing deal or anything, and we'd say all along, you know, he was like very much treated as a member of the band. Noel always made it very obvious that one day he wanted to front his own band, or at least to lead his own band. You know, he just, he was always writing songs. Quelques temps plus tard, alors qu'il parcourt le monde pour son nouveau job, Noel apprend que Liam vient d'intégrer un groupe en tant que chanteur. Ce dernier est composé de Tony McQuarrell à la batterie, Paul Artus dit Bonhead à la guitare et Paul McGuigan dit Gigsy à la basse. Son nom, The Rain. Dès son retour en Angleterre, Noel se rend à l'un de leurs premiers concerts au Boardwalk à Manchester. Résultat, il est impressionné et reconnaît que Liam a du potentiel. Ayant pas mal de compos de côté, dont cette maquette enregistrée en 1988, il propose ses talents afin de rejoindre l'aventure. Les autres le voyaient plus comme manager, du fait de son expérience avec les Inspiral Carpets, mais au final, Noel intègre la bande comme guitariste, auteur, compositeur. Très vite, il va s'imposer comme le leader et professionnaliser l'équipe. Avec lui, c'est minimum 2 répètes par semaine, dans une salle louée à ses frais, située au sous-sol du Boardwalk. Bon, il devra tout de même partager le pouvoir avec son jeune frère, qui décide de rebaptiser le groupe. Fini The Rain, place à Oasis. Bien qu'il trouve que le nom soit trop connoté reggae, le groupe acquiesce. Noel, lui, s'occupe du logo, et pour ce faire, il va s'inspirer de celui du label Decca, label des Rolling Stones. Nous sommes en 1993. Le groupe enchaîne depuis 2 ans les petits concerts qui n'ont plus du tout la même gueule, notamment grâce aux compositions de Noel. Ce dernier, satisfait du travail accompli, estime qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, à savoir enregistrer une démo professionnelle afin de démarcher les maisons de disques. Pour ce faire, Noel va contacter Christopher et Anthony Griffith du groupe The Real People, groupe originaire de Liverpool qu'il a rencontré lorsqu'il était roadie, afin de pouvoir enregistrer dans leur studio. Ces derniers acceptent et les accueillent au Porter Street Studio de Liverpool durant le printemps 1993. Of Columbia. On 1 and 2, we've got the drums. Okay. Which these were probably recorders with about 3 mics in the room and bounced down to 2 tracks. Okay. 3 or 4, we've got the guitars, stereo, which is Noel and Bonehead playing at the same time, it's all live. These have either been bounced down to 2 tracks, or there's just been 2 mics set up in the room and it's recorded live. Okay. And so five, we have a bass. There we go. And then on 7 is my vocal, because Liam hadn't sang it yet. So these are like the... It's like the guys. Yeah, the guide vocal that yeah. I've been singing. There we were, and here we are. All this confusion. On 8, we have Liam and Noel doing the choruses. Feel because the way I feel. Me, Tony, Liam and Noel doing ad-libs at the end. Là-bas, Oasis enregistrera en 3 jours une douzaine de titres, dont 6 sur les 8 figureront sur la maquette. Notamment les futurs tubes Rock'n'Roll Star ou encore Fade Away. Married with Children et Do You Wanna Be a Spaceman proviennent eux du studio de Mark Coyle, ami de Noël et ancien ingé son live des Inspiral Carpets. Armés de leurs démos et bien décidés à s'imposer dans le game, le groupe se rend le 31 mai 1993 à Glasgow, dans la désormais célèbre salle King Tut's Wawa Hut, alors qu'ils n'y sont même pas programmés. Ce soir-là, à l'affiche, c'est Boyfriend, 80 Wheelers et les Sisters Lovers.
Ces dernières connaissent bien Oasis, car elles partagent avec eux leur salle de répète à Manchester au Boardwalk. De ce fait, elles insisteront pour que le groupe puisse jouer et rendront donc possible une performance qui changera la vie des Mancuniens, mais aussi celle de l'histoire du rock. En effet, alors qu'au Forceps il joue en première partie de la première partie, dans une salle quasiment vide car personne ne les attendait, le destin lui sera au rendez-vous, incarné en la personne d'Alan McGee, patron du label Creation Records. Venu pour assister à la performance d'80 Wheelers qui sont déjà signés sur son label, McGee, présent à Seto ce soir-là, n'a rien raté du live d'Oasis. Époustouflé par ce qu'il vient de voir et d'entendre, et conseillé par sa sœur qui l'accompagne, le boss de Creation propose à nos amis de Manchester, avec un enthousiasme non dissimulé, de les signer sur son label. I don't need a tape. I've heard and seen enough. Thanks. Calm down. You've had a drink and you're a bit excited. Take a tape. That tape had most or definitely maybe on it. Évidemment, le contrat ne sera pas signé ce soir-là, mais le 22 octobre 1993. Entre-temps, Noël a fait la rencontre de son idole, Johnny Marr. Ce dernier, ayant obtenu par l'intermédiaire de son frère la démo du groupe, va très vite se lier d'amitié avec le leader d'Oasis. Bien décidé à les aider, le guitariste des Smiths offrira à Noël l'une de ses guitares, mais aussi le contact de Marcus Russell, manager des Smiths et désormais manager d'Oasis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos jeunes mancuniens n'ont pas perdu de temps. 2 ans après la création du groupe, en cette fin d'année 1993, ils ont signé un contrat de 6 albums chez Creation et bénéficient des services d'un manager de renom. L'heure est donc venue de passer à l'enregistrement de leur premier album. Bon, d'abord le label décide de presser en vinyle le titre Columbia. Issu de la démo, afin de l'envoyer aux radios histoire de faire le buzz avant la sortie du premier opus. Parallèlement, ils enchaînent les concerts, dont le dernier de cette année sera à Liverpool, en première partie de The Verve. Déterminé à commencer l'enregistrement de l'album, le groupe profite de l'occasion pour se rendre au studio Pink Museum, à Liverpool, afin d'enregistrer l'un de leurs futurs classiques, Supersonic. Après les 2 jours nécessaires à l'enregistrement de ce titre, et grâce au succès que connaît la chanson Columbia sur les ondes, le groupe est attendu à la station de radio Radio One pour une session live où ils joueront Breaking It Down, mais aussi les nouveaux morceaux Shaker Maker, Cigarette and Alcohol ou encore Up in the Sky. De ce fait, petit à petit, le groupe commence à se faire connaître et sa notoriété ne cesse de grandir alors qu'ils n'ont encore rien sorti. Nous sommes en janvier 1994. En ce début d'année, le label décide d'envoyer Oasis au studio Mono Valley, au Pays de Galles, afin qu'ils puissent continuer l'enregistrement de l'album. Ils y passeront une 15aine de jours, mais n'étant pas satisfaits du résultat, le groupe se dirige vers l'Olympic Studio de Londres. Ça ne va toujours pas. Noël ne s'entend pas avec le producteur Dave Batchelor et décide d'arrêter la collaboration pour travailler à nouveau avec son vieux pote Mark Coyle. Pour ce faire, direction le studio Sawmills, situé au sud-est de l'Angleterre. Complètement isolé, car l'endroit n'est accessible que par voie maritime, Oasis va enfin pouvoir mettre fin à la création de leur premier opus. L'enregistrement se passe bien, le groupe se tue à la tâche et bosse jour et nuit sur le projet. Malheureusement, une fois les prises finies, le rendu ne satisfait ni le groupe, ni le label. C'est alors que Marcus Russell intervient et fait appel à l'un de ses contacts, le producteur Owen Morris, qui a déjà travaillé avec Johnny Marr. Je vous la fais courte, mais en gros, Morris va d'abord réenregistrer certaines parties vocales de Liam et retravailler des pistes guitare, notamment des solos, aux studios locaux au Pays de Galles.
Ensuite, direction le studio Matrix à Londres pour le mix final. Et pour finir, il va masteriser l'album au studio de Johnny Marr à Manchester. Les doigts de fée du producteur ont fait un miracle. Le son, qui est hyper compressé, reflète toute l'énergie et la puissance d'Oasis. Mastering it, I was the first person to make CDs be fucking on the red line constantly. There are no dynamics, there are no, like, it's just full on all the fucking way. God, and it was fucking great, it worked in fucking jukeboxes around the country, man, for that first fucking year. Oasis came on louder than everybody else. L'enregistrement terminé, le groupe continue d'enchaîner les concerts un peu partout au Royaume-Uni et leur popularité grandissante leur donne accès à leur première télé le 18 mars 1994 afin de performer en live leur premier single Supersonic. Le 11 avril sort officiellement le titre dans les bacs et c'est un carton, aussi bien critique que public. Le magazine MME fait de Supersonic le single de la semaine et deux semaines après sa sortie, le titre est classé 31e au top 50 anglais et numéro 1 des productions indépendantes. Certains voient déjà en Oasis la relève de Nirvana, dont le leader Kurt Cobain s'est suicidé le 5 avril 1994. Une autre chose qui est beaucoup plus concrète et perceptible au sein du groupe, notamment au cours d'interviews et parfois même sur scène, est la rivalité entre les deux frères. D'un côté, il y a Noël, auteur-compositeur de toutes les chansons du groupe, dont il est le véritable leader et qui, avant la musique, a connu les petits boulots et la galère. De l'autre, Liam, le jeune chien fou, 22 ans à l'époque, le beau gosse rebelle et grande gueule, qui, comme vous le savez, sera une rockstar toute sa vie, sans jamais avoir eu un boulot de merde. Noël n'hésite pas à recadrer son jeune frère quand il le faut, quitte à en venir aux mains. You know, he writes the songs, you know, but I think I'm equally, you know, as talented and as good looking as him, totally. Oh yeah, he's totally schizophrenic, yeah. But whereas I'm like a Gemini, he is actually schizophrenic. It's not about you, it's not about me, it's about the songs. No, it isn't, it's not. Shut the up, man. I suppose it's like a Lennon-McCartney thing. It's a double act and they are very, very funny together. Le rapport qu'entretiennent ces deux personnalités opposées feront paradoxalement l'une des plus grandes forces et faiblesses d'Oasis. Quoi qu'il en soit, le groupe continue sa percée. Considéré comme the next big thing, Oasis, armé pour le moment de son seul single Supersonic, débarque en France en juin 94. We play rock and roll music for the kids. About everyday things and about nothing. About being alive and having a good time. About being happy, about enjoying yourself. Yeah. And then about being sad. You know what I mean? About, but knowing that it can get better. About everything, just life. Just about observing what's going on around you and writing about it and just saying all you need is cigarettes and alcohol. Et décroche un passage sur Canal Plus dans l'émission phare Nulle part ailleurs. Puis ils donneront leur premier concert à Paris, à l'Erotica. Le 20 juin 1994 sort dans les bacs leur nouveau single, Shaker Maker. C'est à nouveau un carton et le titre atteint la 11e place du classement des ventes. Seule ombre au tableau, Coca-Cola fera un procès au groupe pour avoir plagié une chanson utilisée pour l'une de leurs réclames. I'd like to teach the world to sing, sing with me. Perfect harmony, perfect harmony. I'd like to wear the world around and keep it company. Cela
cela n'entache en rien le succès du titre, qui ouvre à Oasis les portes d'une émission de la BBC ne s'intéressant qu'au hit, Top of the Pops. En ce début d'été 94, les Mancuniens franchissent une étape supplémentaire dans leur fulgurante ascension. Une jeune rockstar en devenir sont invités à se produire en live le 26 juin au festival Glastonbury, le même jour que Radiohead ou encore Blur. La prestation d'Oasis et celle des autres groupes cités plus tôt reflètent tout l'engouement et l'effervescence grandissante autour de la scène pop-rock anglaise qui commence à aspirer à retrouver ses titres de noblesse, voire la relève de groupes comme les Beatles, les Rolling Stones ou encore Queen qui en ont fait sa grandeur passée. A large undertow of feeling that there was something great about to happen in British music. There had been bands like Suede that had paved the way. Blur were becoming popular on the back of the fact that they were making what we called indie music, that they had very good looking singer who younger people were getting into on a pop star kind of level. And then this band came out virtually out of nowhere. Comme ses illustres aînés, Oasis s'exporte au pays de l'oncle Sam, et en ce mois de juillet 1994, direction New York pour le New Music Seminar, qui sera leur premier concert sur le sol américain. Sur place, les journalistes ne cessent de comparer les Anglais à Nirvana. Alors que beaucoup de jeunes groupes seraient flattés d'être associés à un tel monument du rock, Liam, agacé et un brin provocateur, répond. Arrêtez de me parler de Nirvana. Kurt Cobain était un pauvre con qui n'a pas supporté la célébrité. On est plus fort que ça, et vous pouvez aller vous faire foutre avec vos putains de Pearl Jam. Le 8 août 1994 sort une véritable bombe qui propulse Oasis en 10e position du top 50 anglais. Son nom, Live Forever. Just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I gonna live forever. Alan McGee est aux anges. Pour lui, Noel Gallagher a composé le meilleur single de l'année. Le Wild Horses, référence aux Rolling Stones des années 90, un classique indémodable. La presse, conquise, est une nouvelle fois unanime, à un point tel que le New Musical Express et Melody Maker, qui bien que concurrents, décident d'afficher Oasis en couverture de leur magazine la même semaine. Inconnu il y a un an, l'intérêt que suscite la sortie de leur premier opus est considérable, voire du jamais vu. L'attente prendra fin le 29 août 1994, jour de la sortie de l'album Definitely Maybe. C'est un véritable triomphe. Le lendemain, une centaine de fans font la queue devant le Virgin Megastore de Londres pour assister à un showcase du groupe afin de célébrer la sortie du disque. England's best band at the moment, I'd say. Well, they're just really new and they're really fresh and they don't really care what the critics say or anything. They seem really confident. It's just an amazing band. Well, they're doing a 20-minute live acoustic set and then they're signing. And I want to get my album signed, but also I'd like great to be able to say something to them. And there are so many trendy people here. Ce dernier caracole en première place du classement des ventes et le groupe en écoulera plus de 100 000 exemplaires en 4 jours. Le cumul des ventes permet à Definitely Maybe de devenir le premier album le plus rapidement vendu de l'histoire britannique. Qui dit album historique dit pochette historique. Cette dernière fut réalisée par le directeur artistique Brian Cannon,
qui était déjà en charge de tous les visuels des singles sortis à l'heure, et Michael Spencer-Jones à la photographie. D'ailleurs, pour info, la photo de couverture fut prise dans le salon de Boned et comporte quelques hommages. D'abord au premier plan au sol, un portrait de l'artiste Burt Bacharach, dont Noël est un grand fan. Au fond de la pièce figure un portrait du footballeur George Best. Et sur le côté, une photo du joueur de Manchester City, Rodney Marsh. Nous sommes en septembre 1994. Le groupe part pour le Japon donner ses premiers concerts en Asie. Toutes les dates sont sold out. L'accueil des Japonais, et notamment des groupies japonaises, est chaud bouillant. Les Mancuniens n'en reviennent pas d'avoir un tel public au-delà de l'Occident, malgré une telle différence de culture et de langage, là-bas, sur cette île du bout du monde. D'ailleurs, en parlant de monde, Oasis, notamment Liam, revendique régulièrement lors d'interviews en être le plus grand groupe. You're being hyped as the best band around at the moment. Is all hype true? Yeah. It is. Good. The best band of all today on the planet. It's a fact. Mais pour être à la hauteur de cette ambition, il faut conquérir les États-Unis. Les Anglais s'engagent alors dans une tournée américaine, où le succès est certes au rendez-vous, mais ils y laisseront quelques plumes. Fatigue, excès en tout genre, sexe, drogue, alcool et rock'n'roll finiront par rattraper le groupe. Après une prestation à Los Angeles, au Whiskey à Gogo, jugée par les membres eux-mêmes comme désastreuse, Noël quitte le groupe et abandonne la tournée, épuisé par un train de vie fait de défonce façon Sex Pistols. Le leader d'Oasis ne part pas bien loin, destination San Francisco. Là-bas, il rejoint une fan, Melissa Lim, rencontrée justement lors d'un concert du groupe sur place. Bien loin de la rockstar sûre d'elle, c'est un Noël légèrement déprimé voire paumé qu'elle retrouve. Après avoir passé quelques jours ensemble comme un véritable couple, elle réussira à convaincre le jeune Gallagher de rejoindre le groupe et de poursuivre la carrière qui l'attend, ce qui, elle le sait, implique de le quitter pour toujours. Cette parenthèse enchantée, cette romance avec cette jeune femme sera à l'origine de la ballade Talk Tonight. L'Amérique n'aura pas eu la peau d'Oasis. De retour en Angleterre, le groupe est invité le 10 décembre sur la BBC au show télévisé Letter with Jules Holland. Alors que tout le monde s'attend à écouter uniquement les hits issus de Definitely Maybe, Oasis va interpréter l'une de leurs chansons les plus emblématiques, les plus fédératrices, un hymne fait pour les stades, Whatever. Enregistré en juin 1994 avec la section corde du London Session Orchestra, le titre sort dans les bacs le 19 décembre et se hisse directement à la 3ème place des ventes en Angleterre, derrière East 17 et Mariah Carey. La presse salue une nouvelle fois le travail des Mancuniens, qualifiant même le titre de meilleur single de l'année, tout genre confondu. Malheureusement, tout n'est pas si parfait. Le groupe est à nouveau accusé de plagiat,
et cette fois il s'agit de la chanson How Sweet to Be an Idiot de l'artiste britannique Neely Ness. How sweet to be an idiot, as harmless as a cloud. Face à l'évidence, ce dernier sera finalement crédité comme co-auteur du single. L'année 94 s'achève après une centaine de concerts donnés sur les 5 continents et un premier album qui a cartonné un peu partout sur le globe. Alors, en janvier 95, quand a lieu la cérémonie des Brat Awards, pied de nez organisé par le magazine NME au Classic Brit Awards, Oasis remporte tout naturellement 3 récompenses, à savoir le Award du meilleur single pour Live Forever, celui du meilleur album pour Definitely Maybe, et pour finir, celui du meilleur nouveau groupe. Un mois plus tard, à l'Alexandra Palace à Londres, ils remettent les couverts, cette fois au beaucoup plus traditionnel Brit Awards. Nominé dans 4 catégories, le groupe repart encore une fois avec le trophée du meilleur nouveau groupe. Oasis from Manchester, the best British newcomers. There's quite a lot of people we'd like to thank, but we paid you far too much money to come here and like shot your egos. I'd like to thank Ray Davis for influencing me. I'd like to thank George Martin for producing the best band ever was, the Beatles. I'd like to thank all our parents. Live forever. See you later. Évidemment, quand un groupe bénéficie aussi rapidement d'autant de succès et de reconnaissance pour son premier opus, les attentes pour le second sont immenses. Mais Noël en a sous le coude, Oasis ne sera pas une étoile filante. De ce fait, pour confirmer l'essai Definitely Maybe, qui s'écoule d'ailleurs encore très bien, le groupe retourne aux studios locaux avec Owen Morris pour enregistrer le titre Some Might Say, première salve de leur prochain album. Sorti le 25 avril 1995, Some Might Say est leur premier single à se classer numéro 1 des ventes. Mais l'heure n'est pas à la fête pour tout le monde. Malheureusement, ce nouveau succès sera synonyme de départ pour le batteur Tony McQuarrie. La relation entre lui et notamment Liam n'est plus au beau fixe depuis bien longtemps, et Noël estime qu'il n'a pas le niveau pour assurer la rythmique de ses prochaines compositions. Alors qu'ils doivent faire la promotion du single à Top of the Pops, pas le temps de niaiser. Le malchanceux Tony est rapidement remplacé par Alan White, frère du batteur du musicien Paul Weller, dont Noël est un fan absolu et depuis Glastonbury, un ami. Ce sera donc White qui assurera quelques jours seulement après son intégration la prestation télévisuelle, révélant ainsi au plus grand nombre son appartenance à la formation mancunienne. Noel phoned me up and said, "Do you want to be in my band?" And I said, "Okay, let's meet up." And we went to a rehearsal room in London, just me and Noel, met Gwigsy, all played, you know, some new tunes, all those sort of tunes for What's the Story. And then just happened from there, didn't it? Yeah. What did you bring that Tony McCarroll didn't have? Timekeeping. Le 8 mai 1995, pendant que Some Might Say continue de satisfaire un public de plus en plus large, le quintet part pour la campagne du Pays de Galles afin d'enregistrer leur deuxième album dans l'un des studios les plus emblématiques de l'histoire du rock, le studio Rockfield. Accompagné du fidèle et génial Owen Morris, et installé dans le studio où fut enregistré Bohemian Rhapsody, le groupe ne connaîtra pas les galères du premier album. Hormis, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle, quelques bastons entre les deux frères qui ont interrompu pour un temps la création du disque. Quoi qu'il en soit, le compositeur hyper productif qu'est Noël ne connaît pas le syndrome de la page blanche et possède déjà tout un panel de chansons, pour ne pas dire de classiques, qui ne demandent qu'à être enregistrées. De ce fait, l'enregistrement ne prendra seulement qu'une quinzaine de jours. So we've got 4 weeks booked in Rockfield. So we're traveling to the studio. No one's heard any of the songs, right? There's no demos. No one's heard them. The producer's not heard them. The band have not fucking heard them, right? I've written. I know what they are, but there's no lyrics on this. This all in my head. And if you think about it now, right, it's kind of.
That's fucking bananas, you know. Now you'd have to, you know, demo 6 months up front and everybody, well, I don't know about that one, that could be a single, this one could be a single. No one had heard of fucking Crotchet, no one from Creation. Well, no one. Right? The only person that knew how it was going to be was me. Après Rockfield, les Mancuniens se produisent à nouveau au festival Glastonbury, mais cette fois en tant que tête d'affiche devant plusieurs dizaines de milliers de personnes spécialement venues pour les voir. Il s'agit là d'une des premières prestations live d'Alan qui doit véritablement ressentir ce soir-là son nouveau statut de rock'n'roll star. L'année 95 a vu émerger la pseudo-rivalité Blur-Oasis. Cette dernière, calquée sur le modèle Beatles vs Rolling Stone, n'avait qu'un objectif, retenir l'attention du public afin de vendre des journaux ou encore faire de l'audimat. Bien sûr, cela a permis au groupe d'occuper largement l'espace médiatique, ce qui est toujours bon à prendre, surtout quand on a un album à vendre. Mais derrière cette battle of Britpop artificielle se cache un combat qui divise nos sociétés capitalistes. La lutte des classes. D'un côté, il y a les membres de Blur, qui viennent de la riche capitale, Londres, où l'on trouve Buckingham Palace et les milliardaires de la City. Damon Albarn, le leader du groupe, est un fils d'artiste, issu de la bourgeoisie culturelle qui a fréquenté différentes écoles d'art. En gros, il vient d'un milieu de bobos, déterminé à réussir socialement. De l'autre côté, nos amis d'Oasis incarnent le peuple, le prolétariat victime du thatcherisme et de l'ultralibéralisme. Ce sont des lads de Manchester qui ont connu le chômage et la précarité et ne bénéficient pas du tout de l'héritage social, culturel et économique de leurs prétendus rivaux. Starting up a band, it seems so appealing. If anyone's ever been to Manchester, which most people probably haven't, it's an industrial city that's had the heart ripped out of it by the government, so there's a lot of factories that are empty and derelict. And there's nothing to do there. So it's a case of, if you want to, Manchester's quite a rough city. We've got gang problems and guns and drugs and all the rest of it. So if you want to get out of that lifestyle and lead a semi-normal kind of life and have money and do the things that you want to do, you've either got to be three things. One of them is a footballer or a soccer player. The other one is a drug dealer. And the other one is a musician. De ce fait, l'ascension des Mancuniens est bien plus romanesque, séduisante et pleine d'espoir, tant les chances de départ étaient faibles. D'ailleurs, à ce sujet, Noël n'épargnera pas son meilleur ennemi, Damon Albarn, en déclarant « Damon sait écrire de bonnes chansons. Le problème, c'est que tout ça aboutit à des postures condescendantes. Qu'est-ce qu'il y connaît de la culture britannique? Il n'y connaît rien, il vient de Colchester. C'est un putain d'étudiant. Il fait de la musique de bon élève, mais il ne connaît rien à rien. Ça ne sert à rien de déguiser qui que ce soit. Ils n'ont jamais mis les pieds sur un chantier. Je ne veux pas pour autant dire qu'avoir les ongles noirs est une décoration honorifique, mais c'est un fait. Moi, j'ai bossé sur les chantiers. Et pour toujours, cela rendra mon âme plus pure que la leur. Moi, je suis né comme ça. Je suis né pour une vie de merde de job de merde. Mon père était manutentionnaire, ma mère, femme de ménage. Nos aspirations, c'était quoi? Bah rien. Sinon, pour se réconforter, on avait le rock'n'roll. Le point culminant de la rivalité Blur-Oasis est atteint lorsque les Londoniens repoussent la sortie de leur prochain single, Country House. Au 14 août 1995, jour de la sortie du prochain single d'Oasis, Roll With It. L'idée étant de savoir qui va vendre le plus de disques. Eh bien, c'est Blur qui va l'emporter, avec 274 000 exemplaires vendus contre 216 000. Certes, Roll With It n'était pas le meilleur titre pour remporter la bataille,
mais il donnera au moins l'occasion au groupe de troller Top of the Pops et leur playback bidon. Ça, c'est du rock. Après s'être incliné dans la bataille des singles, Oasis va très largement gagner la guerre grâce à leur sortie de leur deuxième album, What's the Story, Morning Glory. Sorti le 2 octobre 1995, l'album va se vendre à plus de 345 000 exemplaires la première semaine et rester 10 semaines durant numéro 1 des charts anglais. Moins brut de décoffrage que son prédécesseur, notamment grâce au jeu plus souple d'Alan White, Morning Glory laisse place à plus de ballades et d'instruments à cordes, prenant ainsi un virage plus pop, où Noël s'accorde le droit de passer officiellement derrière le micro sur l'un des titres. Concernant la pochette, elle est une nouvelle fois réalisée par Brian Cannon. Il s'agit d'une photo de Berwick Street, dans le quartier de Soho, à Londres, choisie pour ses nombreux disquaires à l'époque. On y voit le DJ Sean Raleigh et Brian Cannon de dos, et sur le côté, il s'agit tout simplement d'Owen Morris. Habitué aux éloges de la part de la presse, cette fois les critiques concernant ce second opus sont mitigées. Le magazine Q, par l'intermédiaire du journaliste David Cavanaugh, estime que la plupart des chansons pourraient être des phases B de Definitely Maybe et que Noël a un sérieux problème au niveau des paroles. Mais c'est probablement le magazine Melody Maker, qui les a toujours soutenus jusqu'ici, qui tapera le plus fort s'interrogeant sur une éventuelle fin de l'histoire, qualifiant l'album d'occasionnellement sublime, mais souvent laborieux et ennuyant. Contrairement à ce que pense l'auteur de cette critique, Oasis est loin d'en avoir fini, bien au contraire. Le 30 mai 1995, le Quintet sort un nouveau single qui deviendra leur chanson la plus célèbre. Véritable hymne des années 90, repris encore aujourd'hui un peu partout dans le monde par tous les guitaristes débutants, ou lors des troisièmes mi-temps de Manchester City avec autant de justesse, cette ballade intemporelle qu'on a l'impression d'avoir toujours connue nous vient en tête dès qu'on pense à Oasis. Son nom, Wonderwall. Déjà, ce titre sera un carton planétaire, mais étonnamment, la semaine de sa sortie, il sera classé deuxième et non pas premier des ventes en Grande-Bretagne, devancé par le single I Believe du duo Robson et Jérôme. Initialement appelé Wishing Stone, Wonderwall tire son nom de l'album Wonderwall Music de l'ancien Beatles, George Harrison. The one who writes the songs, no, he's okay, but you know they don't have that much. Depth. The other bloke, he's just a pain. I don't think they need him. The one who writes the songs, he can sing them just as well. You know, maybe it's because it's his brother he's got to keep him in the band. George Harrison doesn't know Liam, so he's never met him. But it's as if he didn't know Liam and you read about him in the papers, then I suppose you wouldn't like him. But unless you get to know him, you shouldn't be making statements like that, really. But
We all love you, George. We think you're top. Wonderwall became some sort of enormous bonding song for a generation of people who'd been brought up on E and raves and dance music and felt alienated by all around them, and all they ever wanted to be was in a room with loads of other people feeling the same way that they did. And Wonderwall glued them together, and it became something that they could hug each other to, and it became an anthem in every pub and club and disco and school playground and old people's home in the land. À la base, le sujet de la chanson était la femme de Noël, Meg Matthews, une sorte de déclaration d'amour, disons. Mais étrangement, depuis qu'il n'est plus avec, le sujet concernerait cette fois un ami imaginaire qui nous aide en cas de coup dur. D'ailleurs, en parlant d'amis, il y en a un qui manque à l'appel. Comme vous avez pu le voir dans le clip, ce bon vieux Giggsy complètement épuisé a filé à l'anglaise, laissant sa place à un certain Scott McLeod. Mais ce bougre s'avéra être une grosse erreur de recrutement, abandonnant à son tour le groupe lors de leur tournée américaine, car sa copine lui manquait trop. Problème, Oasis a désormais atteint une notoriété planétaire, remplit des salles de plus en plus grandes et s'apprête à enflammer à guichets fermés le 4 et 5 novembre 1995, celle d'Earl Court à Londres, pour ce qui sera à cette époque le plus gros concert indoor d'Europe. Alors pour cette occasion, devinez qui est de retour. Nous sommes le 19 février 1996. Alors que vient de sortir en single Don't Look Back in Anger, entendu un peu plus tôt, le groupe retourne à Earl Court à l'occasion des annuels Brit Awards. Annoncés comme les grands favoris, Oasis est passé d'outsider prometteur à plus grand groupe du monde d'une année à l'autre. Ce soir-là, tout le monde le sait, les Mancuniens ne sont pas là pour faire de la figuration, mais bien pour rafler un maximum de récompenses, en plus des Rolex et autres Rolls-Royce offerts par Alan McGee un mois plus tôt. Sur le toit du monde et auréolé de l'Awards du meilleur album, celui du meilleur groupe et du meilleur clip pour Wonderwall, Noël et son jeune frère en profiteront pour troller Blur, inciter à voter Tony Blair, qui incarnait à cette époque le vote populaire, et humilier le chanteur australien Michael Hutchence, en brouille avec Liam pour des histoires de petites copines. And the winner is the best video. Oasis, Wonderwall. For Oasis, the best video award. Well, for one, right here, Michael's going to give me a slap right in the face, so come on. Has-beens shouldn't present fucking awards to gonna-bees. And the winner of this award is... Oasis. I'd like to thank... all the people. All the people. So many people. And they walk your counting hands. And it has through their shite life. And the best British group is Oasis. There are seven people in this room tonight who are giving a little bit of hope to young people in this country. That is me, our kid, Bonehead, Quigsy, Alan White, Alan McGee and Tony Blair. And if you've all got anything about you, you get up there and you shake Tony Blair's hand, man. He's a man. Power to the people! Après cet épisode qui écrira un peu plus la légende du groupe,
le monde entier entre dans l'Oasis Mania. La musique des Mancuniens résonne à cette époque dans toute l'Angleterre, des pubs aux chambres d'adolescents, des stades aux supermarchés. Personne n'y échappe, nos working class héros sont les nouveaux étendards de leur pays, et de ce fait, entrent dans le cercle très fermé des groupes de rock superstars tels que U2. Mais qui dit star, dit press people. Les tabloïds anglais, tels des vautours, n'en ratent pas une miette, et l'attitude franc du collier et provocatrice des Gallagher, notamment de Liam, fera les choux gras d'une pseudo-presse qui lèche, qui lâche et qui lynche. Jerome Press? Oh, yeah. Just because. I just like reading it, so I can just go, right, I'll sue you, and I'll sue you, and then I'll sue you, and then I'll sue you. And that's the reason why I read it, you see. Just go, oh, what they said today. Oh, thank you very much. I've got a couple of £1,000 of fees. £1,000 of fees. A couple of £1,000 of fees. Especially during the record, every day there was a new Oasis story out yeah, there. Yeah, ridiculous, isn't it? I think they can get sick of us and going and getting it and smell. Is there a worry maybe one day the press won't be there? Won't be writing about Oasis as much, though? I suppose so, yeah. Something else will pop on. I don't know, as long as I'm fucking about, they will be writing about me, because I'm mad for it. Start saying I've been caught out shagging a fucking alien up the arse, yeah, I suppose it'll get worse. I think they've already got as worse as it can get. You know what I mean? Liam Gallagher was caught last night, what, bending an alien across the snooker table and poking his bottom? You know what I mean? It can get, you know, what more can you say about me? He takes drugs, bad boy, fucking hell, he had fights, bad boy. He's in that rock and roll band, bad boy, fucking ass. You know, I've dealt all in the bag, them lot of press, all the tabloids in the press, in my back pocket. Got them sorted, no problem. Comme pour beaucoup de gamins issus des classes populaires, aller au stade ou encore jouer au foot fut pour les Mancuniens non seulement l'un des seuls exutoires bien avant la musique, mais aussi et tout simplement un moyen de se retrouver entre les siens, issus des mêmes quartiers, vivant les mêmes galères. Manchester City était à cette époque le club populaire par excellence, le club de la working class, bien loin de son standing actuel, il incarnait la symétrie de son rival, Manchester United. Les Red Devils avaient certes Cantona, mais les Blue Sky avaient désormais leur nouveau drapeau, Oasis. Le 27 et 28 avril 1996, forts de leur succès et fiers de leurs origines modestes, les gamins de Burnage décident de venir jouer chez eux, à domicile dans le stade de Main Road, afin de célébrer leur revanche sur la vie et pourquoi pas, insuffler une sorte de fierté pour tous les gosses de prolo du pays. It was an idea to play Main Road. I mean, you had it since kids or something. Yeah, definitely, yeah. Yeah, it was important, but I mean, that's the way it was going to go anyway, you know. I mean, we've always believed it was going to go that way. From when we were playing to 10 people in Manchester, whatever. We'll be right back.
trusting in my verdict. I'll say I'm sorry for you, sonny.